Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Tout de suite, prenons le sommaire. Lundi 18 janvier 2021, l'actualité reste dominée par la commémoration de nos héros nationaux, dit Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, respectivement, les 16 et 17 janvier. L'occasion est donc propice pour le bédéiste Assimba Bati de lancer à partir de la Belgique sa bande dessinée intitulée « Lumumba, un homme, une histoire, un destin ». À l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la mort du héros national Patrice Emery Lumumba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé de faire ériger une sépulture où seront ensevelies les reliques du tout premier Premier ministre de la RDC. Celle-ci sera érigée sur la place de l'échangeur que le chef de l'État a visité le dimanche 17 janvier. Dans la matinée, le président de la République a participé à la messe d'action des grâces en mémoire de Lumumba organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Reportage de la presse présidentielle. Comment on peut concilier l'instruction que l'Européen nous donnait à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires? Ses discours résonnent encore dans la mémoire collective de Congolais. Son visage est depuis maintenant 60 ans calqué sur un héritage, au mieux une lutte, celle de la résistance à toute oppression. Après 6 décennies, la mémoire du tout premier héros national du pays a été une fois de plus saluée par ses compatriotes, avec en tête le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De sa démarche calme qui rime au respect au combat mené par Lumumba pour l'indépendance du pays, le garant de la nation a déposé sa gerbe de fleurs devant le monument du héros au bras droit levé. Juste après, le chef de l'État s'est dirigé au pied de 4 piliers formant la tour de l'échangeur qui sera rebaptisé Mémorial Patrice Emery Lumumba. Et pour raison, c'est ici que la relique du tout premier Premier ministre du pays sera enterrée une fois rapatriée de la Belgique. Une architecture répondant aux normes et en construction, elle impliquera le déplacement de quelques mètres du monument du héros. Cet endroit va servir d'inhumation. C'est à cet endroit qu'il y aura le tombeau de Patrice Emery Lumumba. Donc le site qu'on appelle communément échangeur délimité, en fait son nom d'origine, c'est le mémorial Patrice Emery Lumumba. Donc ce site va retrouver son nom original et c'est pour ça qu'on est venu avec le président pour qu'il puisse voir l'ampleur du lieu et se rendre compte et des travaux d'aménagement et de l'importance que nous accordons à ces sites. Le président de la République a également fait la ronde de quelques pavillons où se tenait une exposition des effets personnels de Lumumba, au nombre desquels son discours du 30 juin, écrite de sa main. Quelques heures plus tôt, c'est une messe d'action de grâce qui a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Aux côtés du chef de l'État, les animateurs de grandes institutions du pays, les membres de la famille biologique et idéologique Lumumba et plusieurs autres patriotes sont venus remercier Dieu pour la vie de ce modèle de la résistance et de la démocratie. Dans son homélie, l'officiant du jour a imploré l'intervention divine afin que l'exemple de Lumumba, celui de placer toujours le bien du peuple devant tout intérêt personnel, soit perpétué par les générations futures. Les familles Okito et Polo ont organisé dimanche 17 janvier une messe d'action de grâce pour commémorer les 60 ans de l'assassinat de ces deux combattants de l'indépendance. Les familles exigent que les rapatriements
Des corps de Joseph Okito et Maurice Mpolo s'effacent le même jour que celui du héros national Patrice Emery Lumumba. Et plutôt, ce reportage signé Patrick Borel, Mukendi. 60 ans après les disparitions tragiques par assassinat de deux combattants de l'indépendance, Mpolo et Okito, leurs familles, toutes générations confondues, ont participé à une messe d'action des grâces car elles disent toujours être en deuil. Les représentants de deux familles affirment qu'elles subissent l'injustice de la patrie RDC. Nous pensons que cette situation qui a tant perduré pendant 60 ans, que les deux familles subissent l'injustice intérieure et extérieure pendant belle lurette. Notre espoir est focalisé auprès du chef de l'État, président de la République du Congo, en s'impliquant personnellement pour remédier à cette situation qui a perduré plusieurs années. Les années passent, mais les Mpolo et Okito vivent toujours dans la douleur. Quand on a Kelemia à Batobakota, là, ça fait plusieurs années, mais les Lakakaka, oui. Kufisa moto abeli, mais kufisa moto, na souffrance, ba papa ba kufa kite. Les gens diront, ça fait déjà plusieurs années, mais les trois familles ne font que pleurer. Oui, perdre quelqu'un qui était malade est différent des perdre de personnes torturées. Un mois et demi en prison, ligoté, frappé et tué. Ba keko fusillé bango de 5h du matin à 22h. Bande Koto Zalana place. Il y a pas si one. Pour rappel, Mpolo, ancien ministre de la Jeunesse et Sport, puis lieutenant général en chef, et Okito, ancien vice-président et président du Sénat, assassiné avec Lumumba, premier ministre et ministre de la Défense, mériterait des honneurs dignes de la nation. Lumumba, un homme, une histoire, un destin. C'est le titre de la bande dessinée des Asimba Bati, sortie le 11 janvier 2021 en Belgique. Une sortie qui tombe à point nommé pendant que la RDC se prépare à recevoir les reliques de notre tout premier ministre venant de la Belgique. C'est plutôt ce reportage d'Africa Mujica. Lumumba, un homme, une histoire, un destin. Lumumba, c'est un album bande dessinée de Asimba Bati, publié le 11 janvier 2021 en Belgique. Cette bande dessinée est une œuvre consacrée à la vie de Lumumba, héros national congolais, le tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo. Et cette bande dessinée est publiée quelques jours avant que la République démocratique du Congo commémore le 60e anniversaire de la mort de Lumumba. Quelle est la particularité de cette BD? La particularité avec cette bande dessinée est que je ne me suis pas engagé sur la même piste que les autres, tous ceux qui ont écrit des tonnes de littératures, des tonnes d'ouvrages sur Lumumba, qui représentaient beaucoup plus un homme politique, sa vie politique, tout ce qui va avec. Moi, je suis allé plutôt cueillir les personnages de Lumumba, dans le berceau, dans son village où il est né. Présenter Lumumba en tant que personne, un trait humain, simplement. Qui est-il? D'où vient-il? Comment est-il né? De qui comme parent? Ces jours-là, tous les matins, bravant le froid hivernal et la pluie, il prend la route pour l'impression. Il, c'est Asimba Bati, le patron des éditions du Crayon Noir. Il est allé superviser les calibrages colorimétriques avant de donner le go pour l'impression. Il a fait autant pour les pages intérieures et celles des couvertures, car il a toujours mis un point d'honneur sur la qualité. Un détail très important pour l'auteur des paniques à Kinshasa. Le comité exécutif du RENOVAC a tenu sa toute première réunion de l'année ce dimanche 17 janvier en son siège national à Kasavubu. Africa Mujinga et Selim Bayabo étaient présents pour le compte de la chaîne de référence. C'est une première et grande réunion du bureau exécutif élargi des RENOVAC, entendu regroupement des novateurs du Congo. En 2021 et depuis la disparition de son secrétaire général, Maître Errol Michel Vunzimia.
Conduite par le secrétaire général ad intérim, le professeur Romain Mavoudila, cette rencontre était une occasion pour les novateurs de dresser un bilan pour l'année 2020 et de donner les perspectives pour 2021. Avant toute chose, honneur au buteur de Renovac qui avait tiré sa révérence le 16 décembre 2020. Une minute de silence a été observée en mémoire du feu ministre délégué à l'intérieur en charge des affaires coutumières, maître Rol Michel Vunzimia. Puis vient le moment des échanges. Une occasion pour le secrétaire général ad intérim de souligner l'importance de la dite journée. Si dans le passé, Renovac a fonctionné avec des ambitions descendantes, cette fois-ci, Renovac doit fonctionner avec des ambitions ascendantes. Donc, tout doit partir de la base et ça monte. Et c'est comme ça que nous allons gérer vos ambitions. Et chacun au travers son travail. Donc, en ce point, je nous exhorte à reprendre la force. Ne pleurons pas, nous avons les chagrins, nous avons les regrets. Mais travaillons de façon que les gens ne puissent pas se moquer de nous. Les comités exécutifs pensent à immortaliser son chef du parti au 40e jour de sa disparition et aussi réarmer moralement les cadres et militants afin de continuer les combats politiques qu'il avait amorcés avec amour et unité. Le projet d'action organisationnel PAO de la Division provinciale de la santé dans la province du Tanganyika a été adopté à l'unanimité et le ministre provincial de la santé, Moulangé Mpundu, a demandé aux responsables de bien faire le suivi de ce projet. Reportage de notre correspondant sous place, Moma Fataki. Dans la salle de l'hôtel Beach Moussalala, s'est abritée une assemblée générale du comité provincial de pilotage du secteur santé de la province du Tanganyika. Au cours de cette rencontre, le chef de division de la santé, Dr Benjamin Maloba, a présenté à l'assemblée présente dans la salle les projets d'action organisationnelle PAO en sigle de la DPS Tanganyika. Il s'est tenu à Moussalala, l'assemblée générale du CPPSS, essentiellement basée sur l'adoption des PAO, de la DPS et de l'IPS. Cette réunion s'est articulée autour de quatre points essentiels à savoir, suivi du niveau de mise en œuvre des recommandations du CPP de janvier 2020, présentation des grandes lignes du PAO 2021 de la DPS, présentation des grandes lignes du PAO 2021 de l'IPS et puis lecture du rapport synthèse. Après l'exposé, s'en est suivi les questions et quelques recommandations des participants. Il y a trois stratégies de la PNS. Chez nous aussi, nous avons trois piliers ou trois programmes. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment, nous avons calculé le proposal de ces programmes sur base de PNS. Mais le constat est celui-ci, les taux de réalisation est très faible de la qualité au niveau du pays. De la part de Madame le ministre provincial en charge de la santé, Natacha Moulangé Mpundu, a appelé tout le monde à la compréhension des activités et aux responsables de bien faire le suivi de ces projets. Étant donné que vous dites que vous êtes le bras du ministère, avec tout ce que vous planifiez, là je me sens déjà en sécurité si tout se réalise. Et je vais vous appeler à bien faire votre travail et surtout, il y a beaucoup plus éclairé sur les activités que l'IPES fera afin que la DPS puisse arriver aux objectifs repris dans le PAO. Ça, c'est très important. Après l'adoption de ces projets par les participants, l'Assemblée a observé une minute de silence pour la disparition de leur collègue, Dr Junior Chimena. En première journée des matchs de poule, nous sommes là bien sûr déjà dans le sport. En première journée de matchs de poule, je le disais, du CHAN Cameroun 2020, le dimanche 17 janvier, les Léopards de la RDC ont eu raison des Diables Rouges du Congo, Brazzaville. Score final de ces derbys du poule Malebo, 1-0 en faveur des poulains du coach Florent Ibengué. Suivons le résumé de cette explication. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont réussi leur entrée à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020 en battant le Diable Rouge du Congo 1-0. Le dimanche 17 janvier 2021 au Stade Japoma à Douala en match de la première journée du groupe B.
Un match qui n'a pas été facile pour le sélectionneur congolais Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui a été amputé de son capitaine Joey Sama et d'autres éléments clés de son schéma tactique, testé à la COVID-19. Dans l'impossible nul n'est tenu du temps, le technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwangé a vite revu son dispositif tactique et mis en place une équipe qui s'est bien imposée sur le terrain. Malheureusement, la première mi-temps se soldera par un score nul, des rubis partout. À la deuxième mi-temps, dès la reprise de jeu, les Léopards vont démarrer une belle combinaison sous la houlette de ces jeunes talentueux de Motema Pembe, Enoch Inonga Baka, qui va déboucher sur Chico Shindi à la 46e minute, bien positionné pour placer le cuir au fond du filet. 1-0, c'est l'ouverture du score. Mener les Diables Rouges tente de réagir sans succès. De même que les Léopards qui vont dominer les matchs mais sans trop d'occasions de but. À l'image de Dar Kabangu. Dans la foulée, c'est le gardien Matampi Mvumbilei qui a sorti son jeu pour capter d'une belle parade. Un tir fumant de Bongo. Une balle de but tout fait. Au finish, les Léopards remportent et prennent la première place au classement avec 3 points après le nul les Vierges entre la Libye et le Niger. Inongo Baka, sociétaire de Derek Motema Pembe, a été élu homme du match. Bravo l'artiste. La prochaine sortie des Léopards de la RDC, le jeudi 21 janvier, les Léopards croiseront le chevalier de la Méditerranée de la Libye. Bonne chance aux fauves congolais. Nous allons ouvrir la page internationale par cet entretien que nous allons avoir avec notre conseiller Magic Wawina qui se trouve à cet instant à Washington DC aux USA. Vous le savez bien sûr que l'actualité internationale reste dominée par l'investiture le mercredi prochain du président américain, le tout nouveau Joe Biden. Ce processus a été entaché de plusieurs problèmes. On va en parler justement avec Magic Wawina qui est déjà en direct avec nous. Bonsoir Magic Wawina et bonne année à toi et à toute ta famille à Washington DC. Oui, bonsoir James, merci. Bonne année à toi aussi et à tous les téléspectateurs d'Antenne, mais aussi à tous les peuples congolais qui avaient traversé ce moment de festivité confiné ou dans le couvre-feu. C'est une première depuis que le monde existe. Je connais bien la population quinoise et est une population chaleureuse, mais elle était conditionnée à passer ces moments de fête à la maison, cloisonnée. Donc, c'est les étapes que beaucoup de personnes traversent ici en Amérique également. À cause de la pandémie, on n'y peut rien jusqu'à ce qu'une solution efficace soit trouvée. Mais sinon, merci de me faire confiance encore une fois de plus pour partager avec toi ou analyser la politique américaine. Merci à toi, James. Alors, Magic, il faut le dire que les États-Unis viennent de traverser une zone de turbulence inédite avec ces épisodes à répétition de Donald Trump. Comment on en est là, Magic? On en est arrivé là, Magic Wawina? Dites-nous un tout petit peu. Est-ce que les Américains avaient, il faut le dire, négligé un tout petit peu la capacité de nuisance de Donald Trump? Racontez-nous un tout petit peu cet épisode qui vient d'avoir lieu aux USA. Bon, Trump, James, dire que les Américains n'ont pas vu venir ou ont si sous-estimé la capacité des nuisances de Trump, je dirais oui et non en même temps. L'Américain lambda a sous-estimé la capacité des nuisances de Trump, comme tu es en train de le dire. Pourquoi? Parce que elle est allée, cette population, donc cet Américain lambda, a suivi le mouvement Trump avec état d'âme, c'est-à-dire
On va faire un petit rappel. Comment est-ce que Trump a adhéré dans le sillage politique? Parce que ce n'est pas un politicien typique de Washington. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris le béaba de la politique. C'est quelqu'un qui s'est vu ouvert le couloir de la politique à travers cette contestation qu'il a eu à faire sur la nationalité du président Obama. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord, tous ceux qui ne supportaient pas d'avaler cette pilule du fait qu'un président noir soit le locataire de la Maison Blanche ont adhéré au mouvement de Trump. Et c'est comme ça que Trump a pu prendre goût à la politique. Or, la politique est une école. La politique s'apprend. Tous les présidents américains qui sont passés, tous les 45 ou les 44, parce que Trump était le 45e et Joe Biden est le 46e président des États-Unis, tous les 44 présidents qui sont passés à la tête du pays ont appris la politique, donc ont commencé par la base, ils ont cheminé toutes les étapes de la politique jusqu'à arriver à la tête du pays. Personne n'est arrivé à la tête des États-Unis comme par hasard, comme c'est le cas de Trump, parce que Trump était un businessman, il n'a pas un instant pensé à la politique, mais il en est arrivé là par un coup de baguette magique, puisque c'est les États-Unis, c'est la démocratie, une première expérience, pourquoi pas, mais ça a donné ce que ça a pu donner. On déplore, tout le monde déplore cela, mais cela ne pourra jamais arriver. C'est une première expérience, il n'y en aura jamais une deuxième, ça c'est sûr. Alors, Magique Wawina, on est, il faut le dire, à pratiquement 48 heures hein, de cette investiture de Joe Biden. Et même à deux jours de cette investiture, Donald Trump ne cesse d'apporter l'opprobre sur la nation américaine. Et aucune démarche d'impeachment n'a réussi pour le mettre hors d'état de nuire. D'ailleurs, il a annoncé qu'il ne participera pas du tout à cette cérémonie d'investiture du jamais vu dans la démocratie américaine. Alors, dites-nous un tout petit peu, Magic Wawina, vous qui êtes sur place à Washington, D.C., comment l'Américain lambda juge ce comportement du président américain sortant Donald Trump? Voilà, concernant l'impeachment de Donald Trump, c'est la première étape est déjà passée. On passe à la seconde étape. Je vais prendre un exemple, c'est-à-dire, je prends un exemple typique de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'impeachment de Trump est passé à la première étape, c'est-à-dire à la Chambre basse. C'est passé, ouais, ça a été voté, et la majorité a voté pour que Donald Trump soit destitué. Et c'est parti maintenant au Sénat, au niveau du Sénat. Ça doit aussi passer au niveau de sénateurs, doivent aussi voter. Mais il y a un problème, et que les sénateurs, ceux qui sont en fonction, leur mandat prendra fin le 19, alors que Trump, le mandat de Trump officiellement prend fin le 20. Est-ce que les sénateurs qui vont dans leur mandat prendra fin le 19, est-ce qu'ils pourront voter contre ce président ils pourront voter pour la destitution de Donald Trump, alors que le mandat de Donald Trump prendra fin officiellement le 20 janvier. Donc ça devient une situation carrément impossible. Ceux qui vont venir, les nouveaux sénateurs qui vont prendre leur fonction, ne pourront pas poursuivre ce processus, donc ça ne sera pas possible, il ne sera pas destitué. On ne peut pas destituer un président qui n'est plus en fonction, ça ne sera pas possible. Mais ce qui est sûr, Donald Trump s'attend à plusieurs procès qui vont déjà être lancés contre lui une fois qu'il ne sera plus président de la République concernant ce qui s'est passé le 6 janvier dernier. Mais un mot sur la destitution de Trump. On a essayé à destituer Trump pour la première fois par rapport aux élections, à son élection à la tête des Amériques, en rapport avec, je ne vous rappelle et je ne vous apprends rien, en rapport avec l'implication de la Russie en ce qui concerne l'élection de Trump. Cette démarche de destitution n'a pas pu aboutir parce que l'Américain tient aussi compte de ses valeurs, tient aussi compte de l'histoire américaine ou de la leçon que l'Amérique peut donner au monde entier.
Destituer un président de la République, c'est humilier toute une nation. C'est aussi ça le problème. Le problème, ce n'est pas Donald Trump. Le problème, c'est le président américain. Est-ce qu'il faut destituer le président américain? Quelle sera la retombée? Qu'est-ce que l'histoire retiendra? Tout ça, ça rentre en compte. Ça rentre en compte pour que cette destitution ne puisse pas avoir lieu. Donc, la seconde étape de cet impeachment n'aura pas lieu. Donc, il est destitué à la première étape, mais la seconde étape n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que les sénateurs qui sont en place, leur mandat prendra fin le 19 janvier et Donald Trump, son mandat prendra fin le 20 janvier. Ceux qui viendront, les sénateurs qui viendront, qui ont été votés au même moment que Joe Biden, verront déjà un président fin mandat et ne pourront pas le destituer parce qu'il est fin mandat, parce que nulle part dans la Constitution américaine, on prévoit de destituer un président fin mandat. Donc, ça, la deuxième étape de la destitution de Donald Trump n'aura, je dirais, malheureusement pas lieu. Alors, on va peut-être pour terminer, hein, Magic Oyun a parlé de cette investiture en elle-même qui va avoir lieu ce mercredi. 20 janvier, là-bas, chez vous, là où vous résidez d'ailleurs, à Washington, la capitale américaine. Dites-nous, où est-ce qu'on en est avec les préparatifs? On a dit que la ville était, il faut le dire, décrétée en état d'urgence. Il y avait plein de militaires et des policiers partout. Comment ça se passe? Dites-nous un tout petit peu le déroulé de la cérémonie. Comment va se passer cette cérémonie? Bon, l'investiture de Joe Biden aura effectivement lieu, aura bel et bien lieu. Donald Trump a déjà annoncé qu'il ne prendra pas part à cette investiture, à l'inauguration, c'est comme ça qu'on appelle ça ici. Il ne prendra pas part, mais Pence, le vice-président de Donald Trump, prendra part, tout le monde prendra part, tous les anciens présidents, Obama sera là, tout le monde sera là, sauf le grand absent, ça sera Donald Trump. C'est pas une surprise puisqu'il a déjà annoncé à qui veut l'entendre, mais cette investiture était prévue d'être une investiture virtuelle, mais on change de plus en plus, ça ne sera plus virtuel, ça sera physique comme toutes les investitures, mais la sécurité a été renforcée au niveau de Washington DC, les militaires sont éparpillés à travers Washington DC pour assurer la sécurité, bien entendu, de cet événement qui va arriver et ça sera médiatisé. Et voilà quoi, c'est la première fois qu'on assistera à une inauguration, si vous voulez, à l'investiture d'un président américain dont le président ne prendra pas part. La première dame et la première dame et son mari, Donald Trump, ne prendront pas part et ça sera une première dans l'histoire américaine. Et c'est sans des... Donald Trump est en train de nous habituer à une autre situation que nous devons nous adapter, comme nous sommes en train de nous adapter à la pandémie de coronavirus. Voilà, merci Magic Wawina pour tous ces éclaircissements et encore une fois de plus, bonne année à vous. Merci John, merci beaucoup, merci James, merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi et bonne année encore une fois de plus à tous les collègues d'Antenne, hein. Merci de me faire confiance encore une fois de plus, bonne année à vous, bonne année à toute la population quinoise et à tout le peuple congolais, bonne année aussi au président de la République Félix Tshisekedi et à toute la classe politique congolaise. C'en est fini pour cette session d'information, mais avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. Lundi 18 janvier 2021, l'actualité reste dominée par la commémoration de nos héros nationaux, dit Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, effectivement, les 16 et 17 janvier. L'occasion est donc propice pour les bédéistes à Simba Pati de lancer à partir de la Belgique sa bande dessinée intitulée Lumumba, un homme, une histoire, un destin. Léonard Mouemery était à la réalisation à ce côté. Il avait Ndaï Lambochi comme chef d'édition. Il me charge de vous dire grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles car les programmes qui suivent sont tout à fait alléchants. Portez-vous bien.